Salut, ici Mathieu de Celebrity Cruises. Au nom de toute l'équipe de Celebrity au Canada ainsi que moi-même, on voulait prendre quelques instants pour vous parler un peu de la situation quant à la réponse du gouvernement face à l'aide sectorielle pour les agences de voyage au Québec. Évidemment, bien que Celebrity ne soit pas en mesure de vous aider concrètement et financièrement par rapport à la demande qui était présente, sachez qu'on travaille d'arrache-pied afin qu'on puisse ramener notre industrie et ça le plus rapidement possible. On travaille entre autres avec les différents paliers gouvernementaux, autant du côté des États-Unis qu'au Canada, pour essayer de faire du lobbying et ainsi relever ou du moins enlever les restrictions gouvernementales quant au voyage et surtout de notre côté quant à l'interdiction de faire des croisières. Ceci étant dit, sachez qu'on est là pour vous supporter. On a hâte de venir vous voir très, très rapidement. On a hâte que cette pandémie se termine et pour ça, bien évidemment, il faut suivre les mesures sanitaires. Et justement, c'est ça aussi un autre élément super important qu'on va annoncer sous peu, nos fameuses mesures sanitaires. Donc, soyez attentifs au courant des prochaines semaines. On va avoir plus d'espoirs qui vont arriver avec nous, avec nos mesures sanitaires. Et on l'espère pouvoir très, très bientôt annoncer notre retour en service très prochainement. Donc, beaucoup d'espoirs qui s'en viennent malgré ce qui se passe concrètement ici de notre côté. Mais il faut voir plus loin que ça. Il faut garder espoir. Et très rapidement, et même plus vite qu'on le pense, on va être en mesure de revenir avec notre situation, de reprendre du service et de revoyager à nouveau. Donc, ceci étant dit, moi-même, toute l'équipe de Celebrity, on tient à vous dire qu'on est là, que si vous avez besoin d'aide, on est là aussi, et que s'il y a quoi que ce soit, on va toujours être disponible pour vous, peu importe ce qui se passe. Merci beaucoup. À bientôt. Nous sommes là pour vous, supporter. Et s'il vous plaît, gardez espoir. On pense à vous. On vous aime.